Hello ma Pix Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog spécial, chose qu'on n'a jamais faite à Disneyland Paris. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est le 8 mars et donc on est la journée internationale des droits des femmes. Et pour cette journée, Disneyland Paris a prévu plein d'animations. Alors au moment où vous regarderez ce vlog, on est en plein mois d'avril, donc ça date un petit peu, mais c'est parce que je prends de l'avance pour mes vidéos avant Walt Disney World. Et donc aujourd'hui, j'attends ma copine Mizirashi qui va faire cette journée avec moi. Et je viens de récupérer mon billet pour le maquillage du studio Harcourt. Alors en fait on va se faire maquiller et prendre en photo à Videopolis, et j'ai hâte de faire ça, donc je vais vous emmener dans cette journée avec moi. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos du style. On y va. C'est ouf! Eury! Ah, je suis choquée! C'est trop mignon! C'est bien, ça fait une bonne intro! Bon, bah, on t'a retrouvé! Bonjour! Voilà! Donc, du coup, on a fait la calèche, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était trop cool, le cheval il était trop beau! Ouais, et on était tout devant parce qu'on était les premières arrivées. C'est pas là tous les jours, hein. C'est la première fois qu'on le voyait passer, nous. On était plutôt contentes de le faire. Yes! C'est une bonne expérience, faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Enfin, on sait pas. Hein. On sait pas, on va se balader, on va voir ce qu'on a jamais fait. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui te vient en tête de que t'as pas fait ou pas? Franchement, franchement, faut réfléchir quand même. Ouais, bah je pense que ça va être niveau personnage surtout. Ouais, ouais, petit personnage. Bon. On va faire des photos. C'est ça, on va voir ce qu'on fait et on vous embête en tout cas. Ça va encore, hein? Par contre, on va avoir froid là. Un petit peu, hein. Mais c'est toi qui va diriger le truc, hein, tu sais. Bah, c'est toi qui va diriger Dembo, meuf. Non, t'es descend. Ouais. Ça va. Mais tu me fais pas gerber, on est d'accord. Mais oui. Bah, du coup, Miss n'a jamais fait Dembo, donc. On va faire Dembo. Voilà, c'est ça. Super. J'avais toujours 60 minutes d'attente alors. Bah, je te comprends que tu l'aies jamais fait. Ouais, hein. J'avais eu la foi. Méga fail, Dembo tombe à l'eau. Dembo en panne, donc du coup on va aller faire une photo. En fait il y a Aurore qui pose aujourd'hui au théâtre du château, exceptionnellement pour la journée de la femme. Donc du coup on va aller faire notre photo avec la princesse Aurore. Ouais, t'as hâte? Ouais, j'ai super hâte, ouais. Youpi. Bon bah en fait la photo avec Aurore c'est une photo de groupe. Donc on est entouré de gens qu'on ne connaît pas. Et on va devoir faire une photo tous ensemble, c'est très étrange, donc on comprend rien. Voilà. Qui va faire la photo, comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Suspect. Non, et de toute façon, je te dis, ma vie, c'est toujours ça, c'est une vie de fail. Est-ce que Aurore va venir? Allez, salut, Gourdes. Oh, trop bien. Est-ce qu'on est dessus? On ne sait pas. Ils nous ont fait un mini spectacle.
où ils sont arrivés avec les trois fées. Quand j'ai vu les trois fées, je me suis dit ah oui, trop bien. Et en fait, rien, pas de photo. Je pense que la photo va être pas terrible hein, parce qu'on regarde, enfin personne regarde au même endroit. Bah, déjà, il va falloir trouver la photo. C'est une petite chasse au trésor. C'est ça, déjà. Mais bon, à mon avis, elle sera sur les réseaux sociaux Disneyland Paris. Si on vous la trouve, on vous met ça dans le vlog. Hein, voilà. Que... Est-ce qu'on nous voit? Je ne sais pas, j'espère. Est-ce qu'on n'a pas les yeux fermés et une tronche? Franchement, ils auraient pu au moins dire 3, 2, 1, tu vois. Et tout c'est ça. Je vais faire visiter à Mizirachi le fort de Frontierland. Voilà. Et après, on va voir ce qu'on fait. Je t'observe en train de visiter, meuf. Waouh, comme c'est fou des escaliers et ouloulou. J'ai peur qu'il y ait un mec qui me fasse peur. Mais il y a de la musique. Ah, là-dedans. Mais j'étais pas prête. Avec des petits diamants et tout. Ouais, c'est sûr. Et quand ils sont Eureka, annoncé la découverte de l'or en Californie et puis après, elle est arrivée vers l'heure en 1750. Apprenons l'histoire. Avec notre visite de Frontierland. C'est mignon. Faut le faire une fois, quoi. Eh non, on a fait que le début là. C'est la meilleure attraction de Disneyland Paris. C'est ça. Mais je suis sûre que dans le vlog il y a des personnes qui ont jamais vu ça de leur vie en plus en vrai hein. Qui l'ont jamais fait à Disney. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est un joli endroit par contre pour les photos. C'est joli, t'as raison. C'est sympa hein. Vous voyez, je pense que notre prochaine destination les gars, c'est le bateau. Il y a un prisonnier. Ouais. Il y a un mec. Ah ouais. Voilà. Bah. Mais j'avoue que j'avais pas fait attention à tous ces détails quand j'y avais été la dernière fois. Putain, il fait peur. Bah en même temps, regarde l'autre, il est en train de le prendre. Enfin, c'est une prise d'otage, meuf. Il tire, moi aussi je ferais cette tête là à sa place. Hein. Donc tu n'as jamais visité le bateau? Non. Voilà. On était tellement nombreux qu'on était juste tout au bord en fait, tu vois. C'est bien, on va pouvoir découvrir comme ça. Ouais. Parce que moi je connais vraiment pas. Hein. Première fois sur le bateau. Enfin presque. Ils sont là, là. Mais ouais, j'avais jamais vu les ânes. C'est complètement fermé ce truc là. Ouais, c'est fermé ça hein, depuis le temps. Ben ouais. Ça c'est drôle de le voir. C'est le truc de Pocahontas ça. Mais ouais, c'est fermé depuis une éternité hein. Ouais. J'ai jamais vu cette aire de jeu hein. J'ai aucun souvenir d'y avoir déjà joué ou... Je sais qu'elle est sur l'application Disneyland Paris, tu vois le nom. Ouais. Pocahontas, je sais pas quoi, fermé depuis super longtemps. Ah là il y a le dinosaure que j'avais vu pendant un de mes secrets. Bah en fait on est sur le bateau et on s'est aperçu d'un petit secret si vous ne savez pas parce que Miss et moi on vient de découvrir ça. Il y a un enfant qui conduit en fait le bateau qui est choisi et en fait à la fin il y a un petit certificat qui lui est remis et c'est juste trop mignon en fait. Donc il est mis dans la cabine et il peut conduire le bateau. Bonjour. C'est impressionnant hein. Ils sont en train de tout refaire au niveau du jardin et tout. Ah ouais, ils ont démonté l'attraction les gars. C'est incroyable. Putain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, moi je pense juste que c'est une remise à neuf. Hein. Je pense pas qu'ils vont changer. Ouais. Ça fait un bruit quand ça, ouais, quand tu réussis. T'as vraiment dépensé 2 euros pour ça? Oui. Vise mieux.
Alors est-ce que ça vaut le coup? Franchement, autant aller faire vos frontières et tirer gratuitement sur les gens. Allons au Waltz pour la première fois pour moi. En fait, chaque pièce représente un land. Ah ouais? Ouais. Tu vas me faire visiter, hein. T'as frontière land, t'as c'est trop beau. On peut te le dire, je pense, qu'on est passé. Pour dire, ouais, vous êtes au tel land, tu vois. Donc là, on est dans le land Fantasyland et on est tout seul. Ouais, bah c'est super bon. Il est franchement super cool. La revue complète du restaurant sera à découvrir sur le blog qui est mis en barre d'infos. C'est la première fois que j'entre là, tu vois. Donc première fois à l'arcade bêta pour aller se faire make-uper. Ah, allez, on y va. Bah du coup, ça y est, on vient d'aller manger au restaurant Waltz. J'ai été plus que moyennement satisfaite, mais je vous en dirai plus en détail sur le blog. Et là, je vais donc à l'activité du studio Harcourt. Donc on va se faire maquiller pour la journée de la femme et prendre en photo. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Là pour le coup, c'est vraiment une première et unique fois, puisque c'est la première fois que Disneyland Paris organise un truc pareil. Donc hâte de voir ça, en espérant que ce sera pas le même fail que tout à l'heure pour la photo. Ouais, comme ça, ok, super, voilà, et je prends ce sourire parfait. Salut. Hello. Hello. On a été faire des photos devant l'ouverture du Triomphe, on devait aller à Dembo et en fait on a vu qu'il y avait trop de monde, donc on a 30 minutes de queue. Voilà, c'est ça, on a laissé tomber. Et là du coup on a autre chose de prévu, donc du coup on est reparti. Qu'est-ce que t'as pensé de la journée, des choses que t'avais jamais faites? Franchement, c'était des bonnes initiatives de la part de Disneyland, de faire le shooting et tout ça, ouais. Mais de la journée des droits de la femme. C'est vrai. Voilà. Tu as raison de prendre. Non mais moi-même je fais la bêtise. Mais voilà, donc ouais, c'était pas mal. Après c'était pas mal. Juste pas mal, tu vois. C'était pas exceptionnel. Je pense que ça aurait pu être mieux organisé en fait, que ce soit au niveau du QR. Surtout la photo de groupe, ça c'était juste pas possible quand même. Ouais, ça c'était n'importe quoi avec Aurore et les fées. Ouais. Je sais pas, au moins genre sélectionner genre les 50 premières personnes, oui, et faire une photo à l'unité. Ah, surtout qu'on n'était pas comme ça pour la photo de groupe, c'est ça, ouais, très clairement plus ouais. Comme ça. Je sais pas, sortir plein de personnages féminins sur cette journée-là, ça aurait été plus facile. Ouais. Des personnages rares, genre faire une photo avec Megara ou Esmeralda, ça aurait été archi stylé. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait le compte de tir? Bah, moi j'ai pas plus aimé que ça, c'était drôle, mais. Ouais, ça vaut pas le coup quoi. J'ai aimé le bateau. Ah oui, ouais, le bateau était sympa. Franchement, faut le faire au moins une fois. C'est ça. Visiter un petit peu, tu vois des coins que tu vois pas normalement en fait si tu montes pas sur le bateau. C'est ça, mais tu l'avais jamais fait sur le bateau? Ah non. Donc. Voilà. Et au niveau attraction, on n'a rien fait en tout cas parce que Dembo était en panne. On se passe à une prochaine fois. On a le temps. Ouais. On n'allait pas s'annuler. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à nous dire si dans les choses que vous avez faites aujourd'hui, il y a des choses que vous n'avez pas faites, ou ce que vous en avez pensé de votre côté. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah je pense que vous connaissez Mizurashi, mais bon, si vous avez par chance la communauté, allez-y. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous.